Voici la présentation du petit album Licorne. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, on a un shaker devant, ici, une belle guirlande de fleurs, et ensuite des paillettes, du gel glossy pailleté, des fleurs, des dots. Donc, dans les dots, j'ai utilisé la dernière collection de chez Prima, certaines perles, demi-perles de chez Craft Consortium et d'autres qui me restaient encore de chez Prima. J'ai utilisé du gel blanc pailleté hologramme. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc du ruban, de la dentelle double rose et mauve. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc on a nos pages, donc le papier à motif. Et ensuite, j'ai décoré, donc avec, comme vous le voyez dans le tutoriel, avec des fleurs, les dots, les paillettes collées par-dessus le gel pailleté. Donc ici, j'ai mis une photo de ma petite iris. Et donc encore des petits bouts de ruban. J'ai superposé les embellissements, les die-cuts qui sont prédécoupés dans le bloc de papier. Ici, bah, comme il y avait la lune, j'ai imprimé une photo où mes deux petites filles étaient déguisées. Donc je les ai détourées par contre au ciseau là. J'ai coupé tout autour et j'ai collé dessus bah, des dots, encore des petites étoiles argentées, roses, différentes teintes. Ici donc c'est le petit embellissement qu'on a fait avec un chipboard qu'il me restait de licorne. Donc j'ai recollé par-dessus après avoir ancré les paillettes. Et des petits sequins ici, donc à l'intérieur on peut mettre une photo. Ici on a donc un emplacement pour une photo ronde. Alors je vous montre plus bas. Et donc la pochette pour caler notre petit papier avec la licorne, la petite carte. À l'arrière un cadre photo. Un petit cadre, les jolis embellissements collés avec des mousses 3D. Les die cuts, ici un petit bout de dentelle, des chutes de dentelle, pareil, toujours les paillettes. Un emplacement ici pour une photo plus grande. Ici, on a encore un emplacement pour une photo ou plusieurs, deux petites rondes ou une un petit peu plus grande. On peut quand même cacher le motif, c'est pas très grave. Donc toujours les dots, ce sont magnifiques. J'ai mis des petits embellissements ballons. Ici j'ai découpé avec les mini perfos papillons, donc dans les chutes de papier qu'on a toujours des petites chutes de rien du tout, là dans les nacrés et les pailletés, toute une petite ribambelle de papillons, donc que j'ai collé ici sur le haut, un petit peu de masking tape en bas. Je laisse la place pour une photo. Ici j'ai rajouté un embellissement qui était aussi avec cela. Donc on peut rajouter, alors j'ai pas découpé de papier, mais on peut faire glisser une photo ici et à la limite recouvrir cette partie là si on veut mettre une photo plus grande. Ici on a deux petits cadres, toujours les fleurs, les dots, les perles, les petits embellissements, les mini papillons et encore les perles. Voilà, pour l'arrière, j'ai laissé tel quel. On peut le poser debout. Sur la tranche, j'ai rien décoré de plus non plus, mais on pourrait mettre autre chose. Donc voilà pour ce petit album. Vous retrouvez le tuto, la première partie aujourd'hui, je pense, et puis la deuxième partie après-demain pour pouvoir le terminer. Donc il est fait en deux parties. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous plaira et que vous allez bien vous éclater. J'ai reçu aussi, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore mis dans la boutique, des dies de chez X-Cut avec la couronne de princesse. Donc ça peut aussi faire un superbe embellissement. Donc c'est une belle taille, vous voyez. C'est bien, bien sympa. Donc ça passe dans toutes les machines de découpe. Voilà pour cette petite présentation. Je vous dis à très bientôt.